Comme promis, Michel Drucker a donné des nouvelles ce samedi 1er juillet. Il a décidé de le faire en vidéo sur Instagram pour une très bonne raison. Où est-ce ce que j'apprends? Vous êtes plus de 10 000 à me suivre sur Instagram, 10 000 followers. Ça me touche beaucoup, a lancé tout sourire l'animateur de 80 ans casquette vissée sur la tête. Avant d'ajouter avec un grand sourire, je remercie le 10 millième. Si vous prenez des vacances, bonnes vacances. J'ai été absent pendant plusieurs mois. Si vous voulez savoir pourquoi, ce que j'ai traversé, je vous renvoie au journal Aujourd'hui en France Le Parisien de dimanche, a ajouté l'animateur de Vivement Dimanche. Avant de conclure, soyez heureux, la santé, les amis. À bientôt. De nombreux anonymes et aussi des personnalités ont réagi à la publication de l'homme de télévision. Parmi elles, Gad Elmaleh, Pascal Obispo, Liane Folly et Bruno Guillon ont commenté. Les fans lui souhaitent bon courage, un bon rétablissement et un bon repos. Un mois plus tôt, le boss avait déjà posté une vidéo rassurante après de longs mois de convalescence. Il y donnait rendez-vous à ses fans en septembre pour une nouvelle saison de Vivement Dimanche. Depuis début février, aucun numéro inédit n'avait été diffusé, le présentateur de l'émission ayant été longuement hospitalisé. Il avait été opéré du cœur. Je suis en pleine forme, ou presque, avait-il ensuite déclaré, expliquant avoir vécu le même scénario que 3 ans auparavant. De retour à la rentrée quelques jours avant la publication de cette nouvelle vidéo mise en ligne ce samedi 1er juillet, le journaliste Michael Zoltobroda avait annoncé sur son compte Twitter le retour à l'antenne confirmé pour Michel Drucker. Tournage et diffusion du premier inédit, depuis sa nouvelle opération, calée fin août, avait-il précisé. Les nouvelles toutes récentes du principal intéressé semblent confirmer ce calendrier. En plus de son rendez-vous dominical, l'ancien journaliste sportif compte bien avoir un rôle dans le dispositif déployé pour les Jeux Olympiques de 2024. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Guillaume Gaffier au Best Images.